Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui donc pour cette journée numéro 2 du programme Bikini avec Cécile. Donc aujourd'hui, normalement, on est mercredi et on va faire des abdominaux. Vous avez déjà dû vous échauffer et puis cette vidéo voilà, reviendra comme toujours dans la suite du programme. Donc en tout cas, aujourd'hui, on va faire des abdominaux en statique. C'est l'idéal pour avoir le ventre plat et un ventre voilà, bien gainé. C'est vraiment le top et en plus, ça fait pas mal. Donc il vous faudra quand même un tapis. Et ben, on commence de suite. Donc, on s'allonge au sol. On va commencer par du gainage sur le côté. Je lance le chrono. Allez, hop, c'est parti. On se met sur le côté. On lève un bras et on descend. On lève et on descend. Allez. On lève et on descend. On respire bien, hein, n'oubliez pas. Hein. Allez, on lève. 3, 2, 1. Et on change de côté. On passe sur l'autre côté. Hop, c'est parti. On lève et on descend. On garde en haut en même temps. Donc là, on travaille bien les obliques, hein, c'est comme ça. Allez, on lève, on descend et on respire bien. Allez, 3, 2, 1, 0, on s'arrête. On passe cette fois-ci sur le dos. On va faire du gainage en levant les jambes. Vous mettez vos mains légèrement sous vos fesses sur les côtés pour l'équilibre. Vous levez bien les jambes. Donc si vous n'êtes pas très très souple comme moi et que vous n'avez pas hyper tendu, c'est pas grave. On descend d'un côté, on contrôle et on descend de l'autre. Allez, c'est parti. Hop. On descend. On remonte et on descend. Bon, on essaie de ne pas ressembler à un crapaud quand même, c'est mieux. On tend au maximum les jambes. Et l'important, c'est de contrôler le mouvement. Il ne faut pas le faire vite. Il faut maîtriser la descente et la remontée. Allez. Plus que 10 secondes. Hop. Allez. C'est fini. On repasse sur le côté cette fois-ci. On va faire une variante de l'exo de tout à l'heure. Donc c'est de nouveau du gainage, on se met comme ça. Vous pouvez mettre votre main devant pour garder l'équilibre. Et en fait, on va utiliser cette jambe. C'est parti. Vous levez et vous ramenez. On lève, on ramène. On lève, on ramène. Allez, on tient. Ça fait bien travailler les obliques, ça brûle ici. Et on lâche rien. Et on souffle. Allez, on lève, pointe de pied tendue s'il vous plaît, et on ramène. On lève et on ramène. On change de côté. Allez. On se met de l'autre côté. On s'installe et c'est parti. On lève et on ramène. On lève et on ramène. On lève et on ramène. On lève. Et on ramène. Allez, on tient. Et pas facile celui-là parce qu'il travaille en même temps les jambes. Oups, j'ai le pied qui glisse. On souffle bien. Allez, 3, 2, 1, 0. On s'arrête, on repasse sur le dos. On va s'allonger et là, on va travailler le bas des abdominaux. Les mains sous les fesses, ça vous évite de cambrer le dos et de vous faire mal. Donc c'est vraiment recommandé. On lève les jambes et on va faire un moulinet comme si vous faisiez du vélo. Le but, c'est de ne pas le faire en haut, sinon c'est trop facile. Le but, c'est de le faire, voyez, en bas. Allez, c'est parti. On souffle bien. Allez, on respire. Le but, c'est de ne pas s'arrêter de respirer. Allez,
souffle. Allez, on tient. Donc ça, c'est vraiment des exercices géniaux pour le ventre plat. Allez, on respire et on pose. Et on va terminer ce circuit par des crunchs. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique. Donc moi, je l'ai fait en levant les genoux. Et vous pouvez très bien le faire avec les pieds posés. C'est vous qui voyez. Allez, c'est parti. Hop. On remonte et on descend. On ne tire pas sur la nuque. Je pourrais très bien mettre les mains, voilà, comme ça. Et là, le but, c'est pas de les enchaîner à toute vitesse. C'est vraiment de contrôler la montée et la descente. Allez, on respire. On respire. Allez, on tient encore un peu. Le dernier. Et on s'allonge. On va enchaîner directement avec le deuxième circuit. On recommence tout une deuxième fois. Donc, ben, on repart sur le côté. C'est parti. Hop, on s'installe, on se met en position. On lève le bras et on descend. Il y a une rotation du buste, hein, qui doit être effectuée. On monte et on descend. Allez, on a la moitié. Oups, ça glisse. Allez, hop. Ça brûle les obliques normalement. Hein. On change de côté. On enchaîne direct. On descend. Et on respire bien. Ce ne sont pas des exercices qui sont très cardio. Donc on ne doit pas être très fatigué. Mais ça travaille quand même les abdominaux. On continue. Et le dernier. On se remet sur le dos cette fois-ci. Hop. On s'allonge. On met les mains de chaque côté de ses fesses pour contrôler la descente. On tend les jambes et c'est parti. On descend et on bascule d'un côté et de l'autre. Les jambes tendues au maximum. Il y a un avion qui passe juste au-dessus. Ça fait un boucan. Allez, on continue. On souffle. Allez, on continue encore un peu. C'est bientôt fini. Et le dernier, on remonte. Et on relâche. On enchaîne direct. On repasse sur le côté avec le lever de jambe. C'est parti. On lève la jambe et on ramène. On lève la jambe et on ramène. On souffle. On souffle bien. Allez, on lève et on ramène. On change de côté. C'est parti pour l'autre côté. On se met en position. Et allez, go! On lève et on ramène. On lève et on ramène.
On gaine bien la ceinture abdominale. On lève et on ramène. On s'aide du bras pour garder l'équilibre. Allez, on tient. Le dernier, hop, et on ramène. On repose, on se remet sur le dos. Et on va faire du vélo. Allez, c'est parti. Les mains sous les fesses, n'oubliez pas. On lève légèrement les jambes et on pédale. Allez, go! On respire bien. On respire. On inspire bien, on souffle. On inspire et on souffle. Allez, encore quelques secondes. Allez, on pose. On inspire et on va passer au crunch. Ce sera le dernier exercice de cette série. On fait le circuit deux fois aujourd'hui. Allez, on se prépare. On attaque. Hop, on remonte, on descend. Et on ne tire pas sur la nuque, comme je vous le répète tout le temps. On respire. Allez, on continue encore un petit peu. On souffle. Encore deux, plus qu'un, et voilà, on s'allonge un petit peu, on reprend son souffle, on inspire deux, trois fois, ça y est les filles, cette séance numéro 2, bikini avec tissu spécial, ventre plat et abdominaux est terminée. J'espère que vous avez bien travaillé vos abdos, en tout cas moi, ils sont en feu. Je vous retrouve dans la séance juste après pour continuer les exercices. Et quant à moi, ben, je vous retrouve également vendredi pour une séance full body. En tout cas, je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bikini avec Tissi. Ciao, ciao les filles!